Ah oui, salut mes petits potes. Bon, je crois qu'il y a eu un petit souci d'enregistrement sur le son pour l'épisode précédent, et je sais pas pourquoi, là moi je n'ai pas de son quand je joue. Donc, attention au scare jump, je pense que je suis. Si, j'ai quelque chose, très discret. J'augmente un peu mon son, désolé pour tout, ça va être méga fort moi. Faire chier maintenant. Mais là, ça fout de me faire chier lui. Putain de ça. Mais on peut rien faire. On peut rien faire, on peut rien faire, on peut rien faire. Bon, écoutez. On va se prendre une torche et on va essayer de lui faire flipper sa mère à ce gros enculé. Je sais pas. Là, je sais plus quoi faire. Tout tenté, on a attendu la nuit, on essaie de se barrer, et puis le là il nous attend comme ça, coucou, c'est moi, c'est mon on fait foutre le feu à sa cellule depuis loin. On va se faire un petit café déjà, t'as vu là, ça va recycler, pas petit café, toi tu sais, après 13 minutes, je t'écoute, ça pèse pour ça sert à rien, paf. Il nous reste quoi à bouffer? En calories qu'on rigole aussi. Deux boîtes de sardines, 300, 600, donc ça ne fait une demi-journée. Une journée. C'est pas beaucoup. C'est bon, vous me demandez. J'ai déjà bien mal. Ah ouais. J'ai plus 5% d'HP. Je crois qu'on va en avoir besoin. On va réchauffer, repos, enfin, fatigue réduite, ça va être très bien. On ramasse. Je vais tenter un truc s'il y a toujours la même ours. Mais je crois pas. Ah, tu te fous de ma gueule, toi. Here. J'étais persuadé d'avoir plus ou moins tout pris. On peut rien avoir parce qu'il y a dehors. C'est chiant, c'est chiant. Ouais, donc je disais, bon, je suis désolé, hein, l'épisode précédent, il y a eu un problème a priori avec la prise de son. Bon, pas 10 000 trucs intéressants, hein. À part que j'étais content de vous retrouver. Encore une fois, petit commentaire, tout ça, là, t'as vu, ça m'a bien. Un peu ragé, aussi, bien sûr, cet enculé de l'ours, bien ragé quelques fois, il y a eu un peu de jumpscare, et puis surtout, lui insulter sa mère quand ça a bugué, qui était bloqué dans le mur, là, qui nous faisait chier, chier et rechier. On va courir jusqu'à la prochaine. Et puis on va bien voir ce que ça va donner. De l'autre côté, on en profite. Je suis même pas sûr que ce soit par là qu'il faille y aller. Il y a un petit village pas loin. On va aller vide, on va tenter d'y aller direct. Non, on sait qu'il peut que derrière, on l'a vu, lui il nous a pas vu. Et s'il pop devant nous là tout de suite, on sait que le jeu triche. Et
pas qu'on rage quitte. La musique qui fait flipper. Déjà, a priori, je sais pas qu'on lui fait peur, il se casse. Ouais, ok, il se casse. Faut le dire vite. Courir à la voiture. Barre-toi, gros enculé de ta race. On va voir si par contre. Casse-toi, gros enculé. Barre-toi, je te mets, je te mets. Hein, par là, c'est la barre de froid. On se gèle la machine là-dessus. Non, on va t'avoir attendu comme un gros enculé. Ta mère, je la soulève, façon qu'il y a une crise. Il s'éloigne, on va voir jusqu'où il se casse. Je m'étais dit que j'allais faire ma life à côté, mais on ne peut pas. Voilà. Plus de cartouches. Je sais encore passer un bon moment. Bon, en tout cas, je tiens à vous dire quelque chose très important. Si une fois je vous dis voilà, j'ai envie de faire un jeu d'horreur, dites-moi d'aller me faire enculer. Vraiment, dites-moi de me barrer, dites-moi que je rêve jusqu'à la fin. Si je fais ça, je vais mourir. Je suis en train de flipper devant un jeu de survie. Tranquille, tout ça. Bon, on va voir, mais enfin, vraiment. Je crois que je suis pas prêt pour ce genre de truc. Bon, va falloir essayer quand même de comprendre comment on va se barrer d'ici. Et on fait ceci, moi, qu'il faut qu'on aille. Si je me trompe pas, faut qu'on aille ici, moi. Attendez, faut qu'on monte tout dans la forêt. On va attendre un peu, on a vu une ours passer derrière une colline, c'est trop, on va le voir très loin dans pas longtemps. Pendant qu'on se gèle et qu'on crève tranquillement de froid. On est où la journée? On est encore tôt. Les
chaussures, on va essayer de les garder le plus possible. On peut les réchauffer, ce sera toujours important. J'ai aucune idée de où on va pouvoir aller pour échapper à mon ours. Je sais pas du tout comment on va faire, surtout que j'ai pas la moindre idée d'où on peut se planquer. Peut-être une cache quelque part. Faudra qu'on la tente, mais je crois qu'il y a un endroit où on doit pouvoir se planquer sur la route jusqu'au tunnel. Oui, parce que je connais un peu les, comme dit, je connais un peu les cartes dans les précédents épisodes. Là, on est dans la vallée charmante, on va au lac Mystère. Pour ça, il va falloir qu'on passe par une petite vallée qui nous fait passer, qui va nous emmener jusqu'au barrage et dans le Gartner, je crois qu'il s'appelle dans le jeu. Le problème, c'est qu'entre ici et le barrage, bah, c'est la méga merde. C'est mon ours. Casse-toi, mon ours. Que je vois peut-être un endroit où on peut aller. Inch'Allah, va falloir courir. Je vois pas comment on peut s'en sortir. Si, on va allumer les fusées. On va allumer les fusées, on va aller jusqu'à la cabane, on va dormir là-bas. Et après, on a un trajet, ça doit se faire. Du coup, on n'a pas fait au plus rapide. On n'a pas fait au plus rapide. Mais j'ai peur que ça nous coûte la life. Vous dire Inch'Allah, Inch'Allah Dream. De toute façon, il faut courir, on a froid. Oh, mais putain, mais c'est sérieux là. On va attendre qu'il soit pas loin pour la lumière. Mon ours, arrête de chier. Arrête de shipper. Comment, genre, je passe, je passe sur la glace, ça se pète sous son poids de gros lard. Ah, t'aimes pas l'eau, mon ours, t'as qu'un gros porc. Toi, nounours, lâche une voiture, le bordel. Ok, on va pas lui tourner le dos. J'ai l'impression que quand on tourne pas le dos, ça va. On vient pas trop près. Nounours, enfoiré. Nounours, enfoiré. Nounours, enfoiré. Bleed out soon. Et on a perdu nos bottes. Ah,
Localiser le signal maintenant, sinon on va crever comme des cocas. Il y a des loups. Oh, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on monte à ça près? De points de vie pour aller beaucoup beaucoup plus loin. Mais c'est pas la partie de la carte que je connais mieux. Je suis pas sûr de trouver de fin à cet endroit. Je vais aller me planquer pour la nuit. On va essayer de se planquer là-bas 2 secondes. Peut-être à chaque fois qu'on se fait attaquer par un ours. Ça va me calmer pendant quelques temps, je sais pas, il faut l'appeler. Faut pas de rater mon petit, sinon t'es mort. T'es mort, t'es mort, t'es mort. En marchant dans la neige, complètement. Come on. J'entends un gros gros derrière. Adieu. Well, thank goodness for that. Ça y est, on commence à vraiment faire de la vie de non, non, se casse toi. That hurts so much. Oui, on a quasiment plus de vie. Pars-toi, Momo. Fous-moi la main. Je bouge pas pour ceux qui se posent la question, je suis complètement immobile. The pain. Laisse-moi dormir en fait. On va tenter de dormir. Oui, le feu, quand il est assez gros, il fait peur à nous. Bon. Écoute, on va redormir un peu. On va venir. Je sais pas du tout comment faire ce défi. Je pense que du coup on va passer sur un autre pour la prochaine fois, hein, que je connais un petit peu, parce que là bon. Ben voilà, je n'ai pas d'idée, je ne vois pas quoi faire, je ne vois pas comment survivre, éventuellement en ne gâchant pas de munitions, en traçant vraiment tout le temps, en les utilisant uniquement pour se déplacer. On aurait pu aller un peu plus loin, mais pas beaucoup. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. Encore une fois, un petit commentaire. Hein. Mettez un petit nounours, le salaud, ou nounours, comme chez ta maman, dans les commentaires. Voilà. Bon, en attendant, encore une fois, super content d'être fait croquer à votre compagnie. Et je vous dis à très bientôt pour la suite.